Last Sunday. Dis, c'est le, voici le dernier dimanche. So you are ending victoriously. Alors tu vas terminer victorieusement. Amen. Are you sure you said it? Est-ce que tu es sûr d'avoir de l'avoir dit? Or you are laughing. Ou tu ris? As you are saying, you are prophesying. Comme tu es en train de le dire, tu es en train de prophétiser. And as you are prophesying to your neighbor. Et quand tu prophétises à ton voisin. What you tell your neighbor. C'est que tu dis à ton voisin. Comes back to you. Amen. Amen. So you must get that understanding. Alors tu dois avoir cette, tu dois comprendre. Anything cela. That is happening here. Tout ce qui se passe ici. Is not a joke. Ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. Amen. Amen. So we are ending victoriously. Alors nous allons terminer victorieusement. And that is why this morning, et c'est pourquoi ce matin, the topic of my message, le thème de mon message, says, dit, spiritual death. La mort spirituelle. Pastor. We are ending victoriously. On doit, tu dis on doit terminer victorieusement. And the topic is spiritual death. Et le thème c'est la mort spirituelle. You will understand better. Hallelujah. This message, ce message, if you grab it, si vous le gravez, if you take it, si vous le prenez, something will change in your life. Quelque chose va changer dans votre vie. It is important. C'est important for every one of us, pour chacun d'entre nous, to know our spiritual state, de connaître notre état spirituel. So this morning, alors ce matin, the Lord wants you and I, le Seigneur attend de vous et de moi, to do a spiritual check-up. Que nous fassions un examen spirituel. Alléluia. To know where you belong. Pour savoir à où nous appartenons. Spiritual death. La mort spirituelle. I will just define it in a briefly. Je vais juste le définir brièvement. Spiritual death. La mort spirituelle. Is the act of being separated from God. C'est l'action d'être séparé de Dieu. It is not, you know, it's a state of not having an active spiritual life. C'est le fait de ne pas avoir une vie spirituelle vivante. Not living a life of the spirit. Ne pas vivre une vie spirituelle. The life of the spirit. Ne pas vivre la vie du spirit. De l'esprit. De l'esprit. In the spirit of God. Dans l'esprit de Dieu. We all have life. Nous tous avons la vie. Is it not true? N'est-ce pas vrai? If we don't have life, we'll not be here today. Si vous n'avez pas la vie, vous ne serez pas là aujourd'hui. If we don't have life, si nous n'avions pas la vie, nous ne serons we'll pas not be here today. Nous is it not true? N'est-ce pas? Because those that do not have life, parce que ces personnes qui n'ont pas la vie, they are in the mortuary. Elles sont au cimetière. Alléluia. Amen. But we have life. Mais nous avons la vie. But this life that we have, mais cette vie que nous avons, we must live it in the spirit of God. Nous devons la vivre dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. So I will take it again. Alors je vais le reprendre. Spiritual death. La mort spirituelle. I hope you are right in place. J'espère so que vous prenez des notes home. Afin que vous retournez à la maison take avec quelque chose. Home, please. Retournez avec quelque chose à la maison, s'il vous plaît. If you don't have a piece of paper, si vous n'avez pas un papier, you want something to write, please. Et que vous avez besoin de quelque chose pour prendre des notes, so that you can lever la main pour qu'on puisse. And go home and work your salvation. Afin que vous puissiez partir à la maison avec des notes. Afin de travailler votre salut. So I will take it again. Alors je vais le reprendre. Spiritual death. La mort spirituelle. Is the act. C'est le fait. Or the state. Ou l'état. Of being separated from God. D'être séparé de Dieu. It is also the act of not, you know, having an active spiritual life. C'est le fait de ne pas avoir une vie spirituelle active. Not living a life of the spirit in the spirit of God. Ne pas vivre une vie en esprit, dans l'esprit, selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. So let us go quickly to Romans chapter 8, verse 1 to 11, but we're going to take it slowly. Alors nous allons retourner, nous allons Romans, partir à Romains chapitre 8, verse 1 to 11. À partir du verset 1 au verset 11. But we're going to take it slowly. Mais on va aller étape par étape. So that we can enjoy the food. Afin que nous puissions bénéficier pleinement de la nourriture. Alléluia. Amen. 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 If you are there, say, I shall not die spiritually. Si vous y êtes dit, je ne mourrai pas spirituellement. Amen. Amen. If we are all there, we'll read together. Si nous y sommes tous, lisons ensemble. Therefore, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life
in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do not mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante, pour enlever le péché qu'il a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans la condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils Amen. Se... Alléluia. Amen. Go down it. Alléluia. Amen. I know how many of you love Romans chapter 8, verse 1. Combien d'entre vous qui aiment le Romains chapitre 8, verset 1? How many of you have quoted it several times? Therefore, there is no condemnation to him that is Alors, Christ Jesus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux. I will stop there. Et on s'arrête là. How many of you? And you don't Combien? Continue verse 2. Et vous ne continuez pas verset 2. Ah, alléluia. Amen, alléluia. That is how it is. Et c'est comme ça, c'est. It is so beautiful. C'est merveilleux. You know, to quote the Bible. De réciter you know, la Bible. You quote it because you love it. Vous récitez parce que vous l'aimez. Where we have just read. Et là, nous venons juste de lire. Must be the foundation of your relationship with Christ. Cela doit être la fondation de ta relation avec Christ. Alléluia. Amen. Verse 1. Le verset 1. Of Romans 8. De Romains 8. It's just a, you know, a conclusion. C'est juste une conclusion. Of every other thing that is following. De toutes les choses qui suivent après. Alléluia. But because we are so, you know, we don't take time to study the word of God. Mais parce que nous ne prenons pas du temps pour étudier la parole de Dieu. We just take the one that is okay for us. Nous prenons juste la partie qui nous arrange. There is no condemnation. Il n'y a pas de condamnation. There can never be condemnation. Il ne peut jamais avoir de condamnation. To a child of God. Pour un enfant de Dieu. That is in Christ Jesus. Qui est en Christ Jésus. Alléluia. Amen. There can never be condemnation. Il ne peut jamais avoir de condamnation. When you are living according to the will of God. Quand tu vis selon la volonté de Dieu. When you are living according to the Spirit of God. Quand tu vis selon l'Esprit de Dieu. We will go back there again. Nous allons y retourner encore. Verse 1. Verset 1. Therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ Jésus. Car à Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. You did not finish it. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Your version is not complete. Give me another Bible. No, take your. Give me another Bible. Then, Donnez-moi une autre Bible. French Bible. Une Bible en français. Yes. No, it's the same thing. That. Yeah. Give me this one. Alléluia. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Hallelujah. Hallelujah. There is no condemnation. Il n'y a pas de condamnation. To those that are living a life of the Spirit. Pour ceux qui vivent une vie selon l'Esprit. We can be in Jesus Christ. Nous pouvons être en Jésus-Christ. And not walk with Jesus Christ. Et ne pas marcher avec Jésus-Christ. We can be with Jesus Christ. Nous pouvons être avec Jésus. And not walk in Jesus Christ. Et ne pas marcher en Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. There are two things. Il y a deux choses. Those that are with Jesus Christ. Ceux qui sont avec Jésus-Christ. Those that are in Jesus Christ. Et ceux qui sont en Jésus-Christ. When you are with, quand tu es avec, you walk, tu marches, you can decide, tu peux décider when to stop walking, quand tu dois arrêter de marcher with the person. Avec la personne. But when you are in the person, mais quand tu es dans la you personne, no longer decide, tu ne vas plus décider. The person that is carrying you, la personne qui te porte, decides what happens to you. Hallelujah. Est-ce que nous comprenons quelque chose? I can decide to walk with John Jack. Je peux décider de marcher avec John Jack. Okay, let us move around. Et soudainement, I see someone else. Je vois quelqu'un d'autre. I decide. Oh, John. Alors je décide. Oh, John Jack. See you. Au revoir. Bye bye. And I make up my mind to walk with another person. Et je décide d'aller marcher avec une autre personne. But if John Jack. Mais si John Jack. And I. Et moi. We are in one another. Nous sommes l'un dans l'autre. It means there is no separation. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas even de séparation. I see somebody else. Et même si je vois quelqu'un d'autre. And I want to move and say hello to the person. Et que je veux aller dire bonjour I à cette personne. I am moving with John Jack. Je marche avec John Why? Jack. Pourquoi? Because John Jack is in me. Parce que John Jack est moi. And I am in him. Et que moi je suis en John Jack. Est-ce que nous comprenons quelque chose? If we are in Jesus Christ. Si nous sommes en Jésus Christ. And Jesus is in us. Et que Jésus Christ est en nous. When you move. Quand nous marchons. You are moving with Jesus. Nous marchons avec Jésus. When you stop. Quand nous you are stopping with Jesus. When you say Jesus. Hello. Quand nous saying hello with Jesus. Nous bonjour avec Jésus. Hallelujah. Hallelujah. There is no separation. Il n'y a pas de séparation. Every gest you make. Tous les gestes que tu fais. Becomes the gest of Jesus Christ. Devient les gestes de Jésus Christ. Only then. Seulement. Can you now say therefore. Seulement. There is no more condemnation. Seulement ces personnes peuvent dire qu'il n'y a pas de condamnation. Why? Pourquoi? Because your life. Parce que ta vie. You no longer live it for yourself. Tu ne vis plus pour toi-même. But you live it for Jesus mais Christ. Tu vis pour Jésus. The things you used to do before. Les choses que tu you faisais no avant. Longer do. Why? Tu ne les fais plus. Because pourquoi? Your life. Parce que ta belongs vie to Jesus appartient now. À Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Jesus becomes the chief commander. Jésus devient maintenant le chef. He commands you. He directs you. Te dirige. If he says go, s'il te dit pars, you will go. Tu iras. If he says stop, s'il te dit arrête-toi, you will stop. Tu vas t'arrêter. If he says speak, s'il te dit parle, you will speak. Tu vas parler. If he says don't say anything, s'il te dit ne dis rien, you will not say anything. Tu vas rien dire. Hallelujah. Hallelujah. Those that live in the flesh, ceux qui vivent dans la chair, they take care of the things of the flesh. Ils prennent soin des choses de la chair. That is why we are talking about spiritual death today. Et c'est pourquoi nous disons la mort spirituelle. Today we are talking about spiritual death. Aujourd'hui nous parlons de la mort spirituelle. Why? Pourquoi? Because the month of October. Parce que le mois d'octobre is going to an end. Va à sa fin. And we know that the theme for this month. Et nous savons que le thème de ce mois is divine healing and divine resurrection. Et la resurrection. La résurrection divine. Et la guérison divine. Alléluia. Amen. Which means anything that is dead. Ce qui voudrait dire que tout ce qui était mort. Is supposed to come alive this month. Doit venir revenir à la vie ce mois. So that we can finish victoriously the year 2018. Afin que nous puissions terminer victorieusement l'année 2018. Alléluia. Alléluia. It is important for you and I. C'est très important pour to moi. Know where do I belong? De savoir mais à quoi est-ce que j'appartiens ou à qui j'appartiens. What the law cannot do. Quelles sont les choses que je ne peux. What the law cannot do. Tout ce que la loi ne peut pas faire. Christ did. Christ l'a fait. Alléluia. The law couldn't give you and I spiritual life. La loi ne peut pas te donner à toi et à moi la vie spirituelle. Jesus came. Mais Jésus est venu. To give us spiritual life. Nous donner la vie spirituelle. So we can live
live our life alors, in him. Nous pouvons vivre notre vie en lui. The flesh no longer controls us. La chair ne nous contrôle plus. Please, if you are sleeping, please move around. Or alors, if you are sleeping under my teaching, this is not good. S'il y a des personnes qui dorment, commencez à marcher. Your eyes is heavy, stand up and si just walk around. Si vous sentez la lourdeur, commencez à marcher. Please move around. Marchez. Move away from them. Go somewhere else. Ange, stand up from there. Come Ange. And sit here. Viens t'asseoir là. Shavik, come Shavik. And sit close to Tata Marjé so that she can take care of you. Viens t'asseoir près de Tata Marjé. Jessica, stand up from where you are. Jessica, lève-toi de là où tu es. Go and sit with Tata Priska so that she can take care of you. Va t'asseoir avec Tata Priska. Please watch your neighbor. S'il vous plaît, veillez sur votre voisin. This is a very important moment. C'est un moment très important. It is not possible that during the word of God you will understand better. Ce n'est pas possible que durant le moment de méditation, the time of the word of God, le temps de la parole de Dieu, where sleep will come. C'est là que le sommeil vient. Don't sleep there. Eh? Mais Don't be too relaxed. Sit up so that you can take. Mais, open your Bible and we'll read together. Ouvre ta Bible et on va lire ensemble. Yes, hallelujah. Alléluia. Okay, look at your neighbor again. Alors regarde ton voisin. How is the eyes of your neighbor? Et regarde les yeux de ton if voisin. If the eye is doing like this. Si ses yeux font comme ça. Eh? Like the one of grace now. The eye is just doing like this. Oh, grace, stand up. Who can help you? Who can help him? Alors, you're not just sleeping. I better don't sleep, eh? Because c'est I. Mieux. C'est mieux que tu why are you not writing? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas note? Give me my piece, eh? No, I have a piece of paper. So be active. Yeah, I know. So take your Bible. Bring out your paper. Take your Bible and be active. Hallelujah. Amen. This time I don't play with the word of God. Ce moment je ne joue pas avec la parole de because Dieu. If you have come to church, parce que si vous venez à l'église, it is because of the word of God. C'est à cause if de la parole de Dieu. If you want your life to be better, si vous voulez que votre you want to mieux, live a victorious si life, vous voulez vivre une vie de victoire, it is the word of God. Hallelujah. So you must not play with the word of God. Alors vous ne devez pas church jouer avec la parole. Church is not about coming dancing and singing and l'église n'est pas venue danser et de tourner à la maison. The word of God is a seed. Mais la parole de Dieu est une semence. When you allow it to enter into your heart, you will grow. Quand tu lui permets d'entrer dans ta vie, tu you will become hot. Tu seras chaud. And the devil will not be able to touch you. Et le diable ne pourra pas te toucher. What is the power of the word of God? C'est so là you la puissance de la parole. During the word of God, you are sleeping. It's et not tu possible. Vas venir à l'église et durant la parole, then tu dors. It means you are spiritually dead. Alors c'est là que vous dites que spirituellement tu es mort. That is what we are talking about. You will get et c'est de cela que nous parlons. You will get there. Alléluia. Nous allons y arriver. It is not a good sign. Ce n'est pas un bon signe. Anytime you come to the church, chaque fois que tu viens à l'église, once the time of the word of God comes, quand le moment de la parole arrive, and you begin to feel heavy, et tu commences à te sentir lourd, know that you are spiritually, you are not alive. Soit sache que spirituellement tu n'es pas en vie. That is the truth. C'est la vérité. And that is why this message is coming today. Et c'est pourquoi ce message vient aujourd'hui. Because God wants to give you life. Parce que Dieu voudrait nous donner la vie. Alléluia. Amen. The word says the word walk to walk. Le mot marcher. Yes. You know, it refers to a lifestyle. Faire référence à un style de vie. A lifestyle of walking with Jesus Christ, you know, every day. Ce style de vie de marcher avec Jésus-Christ tous les jours. Walking with the Spirit of God every day. Marcher avec l'Esprit de Dieu tous les the jours. The Spirit of God is in you. L'Esprit de Dieu en toi. And you are in the Spirit of God. Et toi, tu so as you are walking, you are active. Et quand tu walking. And as you are walking, you are growing. Et quand tu marches, tu grandis. Alléluia. Amen. You begin to grow. Tu commences à grandir. Because you know every day. Parce que tu sais chaque jour. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. We face danger. Nous faisons face à vos dangers. Do you know that? Est-ce que vous le it's savez? It's not because you are a child of God that trouble will not come. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu qu'il n'aura pas de it's problème. It's not because you are a child of God that danger will not come. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu but qu'il n'aura pas de danger. You are not alone. Mais parce que tu n'es pas seul. When that danger comes. Quand ce danger là arrive. The comforter, your helper. Ton aide. Will tell you. Va te dire. There's danger. Il est take my hand. Tiens ma main. And follow me. Et suis-moi. Alléluia. Alléluia. And as you are following me, danger will not be able to touch you. Le danger why? Pas because you are not alone. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Amen.
a child of God, un enfant de Dieu, that walks with the Spirit of God, qui marche avec l'Esprit de Dieu, is in Jesus Christ, et qui est en Jésus Christ, is always alive, est toujours vivant. Hallelujah. He's always alive. Il est toujours vivant. Alive in the Spirit. La vie dans l'Esprit. Because that is where everything happens. Et parce que c'est là que toute chose commence. It's not because you are breathing. You wake up, you breathe, you say, ah, I am alive. C'est pas parce que tu arrives à respirer. Ah, je suis vivant. The people of the world, les gens du monde, that do not know Jesus Christ, et qui ne connaissent pas Jésus Christ, that do not have salvation, qui n'ont pas le salut. Yes, when they breathe, quand ils respirent, they say, I am alive. Il dit, ah, je suis vivant. Alléluia. We are alive. Mais nous sommes vivants. Because of Jesus. À cause de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. That is why our life is important. Et c'est pourquoi notre vie est importante. And that is why we cannot live our lives anyhow. Et c'est pourquoi nous ne devons pas vivre notre vie n'importe comment. Because Jesus Christ is Parce the author of Jésus our life. Christ est l'auteur de notre vie. Alléluia. Alléluia. So Jesus gives us life. Alors Jésus nous a donné la vie. But if we have a lifestyle of sin, mais si tu as un style de vie de pécheur, we, you know, our lifestyle is just sinful. Et si la vie, le style de vie est pécheresse, we cannot confess Romans chapter 8 verse 1. Nous ne pouvons pas déclarer, confesser Romains 8 chapitre 1. Even when we confess it, et même si nous les confessons, it cannot be active. Cela ne pourra pas agir. Why? Pourquoi? Because we are not in the life of the Spirit. Parce que nous ne sommes pas dans la vie de l'Esprit. So we must choose the lifestyle that we have. Alors nous devons choisir le style de vie que nous avons. Alléluia. Amen. A child of God, un enfant de Dieu, must have a godly lifestyle, doit avoir eu un style de vie pieux. Alléluia. Amen. Everywhere you go, partout tu pars, people know you as a child of les God. Gens te connaissent comme enfant de Dieu. Not only in the church, pas seulement à l'église, but everywhere you go, mais partout là où tu te trouves. You must have a godly lifestyle. Tu dois avoir une vie, un style de vie pieux. Alléluia. Amen. God sent Jesus Christ. Dieu a amené Jésus Christ. To accomplish what the law couldn't accomplish. Pour accomplir ce que la loi ne pouvait pas accomplir. Hallelujah. Amen. And Jesus came. Et Jésus est venu. And he accomplished what the law couldn't accomplish. Et il a accompli effectivement ce que la loi ne pouvait so pas accomplir. So that you afin que can toi, live the life that ordinarily we couldn't have lived without afin Jesus que toi, Christ. Puis, que tu puisses vivre la vie que normalement tu ne pouvais pas vivre. Alléluia. Amen. Do you know that when you are in Christ Jesus, est-ce que tu sais que quand tu es en Christ Jésus, your life is different. Ta vie est différente. Amen. Do you know that? Est-ce que tu sais cela? That in Christ Jesus, que en Christ Jésus, you have a different life. Tu as une vie différente. That is different from those life that is not in Jesus Christ. Qui est différente de cette vie qui n'est pas en Jésus Christ. So if you say, alors si tu dis that you have Jesus Christ, que tu as Jésus Christ, and that you are in Jesus Christ, et que tu es en Jésus Christ, and Jesus is in you, et que Jésus est en and toi, your lifestyle, et que ton style de vie is not the lifestyle of Jesus Christ, n'est pas le style de vie de Jésus Christ, then your salvation is suspect. Alors ton salut est suspect. Because when you give your life to Christ, parce que quand tu donnes ta vie à Christ, and Christ comes into you, et que Christ vient en toi, and you enter into Christ, et que toi tu entres en Christ, Christ becomes the source of your life. Christ devient la source de ta vie. Alléluia. Amen. Look, there's a tap water there. Il y a un robinet là. You cannot go there and open. Vous ne pouvez pas y aller et ouvrir. And beer will begin to flow from the tap. Et la bière va commencer à sortir de la pompe. How many of you have gone to the tap water? You just open and beer, or Coca, or whatever is coming out. Qui est parti une fois à une pompe et c'est le yes. Coca qui est sorti? Ou... Anyone here? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? You just open the tap tu as, water. Tu as juste ouvert le robinet. Instead of water, it is beer that is coming. Et au lieu que ce soit de l'eau qui sort, c'est de la bière ou du Coca qui est sorti. Is it possible? Est-ce que c'est possible? Hello church. Hello Église. Or maybe there's one somewhere that I don't know. Ou peut-être il y a quelqu'un qui a peut-être. You know that I don't know. Please let me know. Hallelujah. It is not possible. C'est pas possible. What am I talking about? Qu'est-ce que je suis en train de dire? The tap.
le robinet supposed to give water. Est supposé donner de l'eau. Is it not true? N'est-ce pas vrai? So you, alors toi, me, moi, we are supposed to give Jesus. Nous sommes supposés donner Jésus. We are supposed to reflect Jesus Christ. Nous sommes supposés refléter Jésus-Christ. In our action, in our attitude, in everything. Dans nos actions, dans notre attitude, dans chaque chose. As we are walking on the way, you are dressing. Everything must reflect dans tout, dans Jesus notre habillement, Christ. Dans tout, tout doit refléter Jésus-Christ. You are a child of God. Tu es enfant de Dieu. You say you have Jesus Christ. Tu dis que tu as Jésus and Christ. You argue your style of dress when they tell you this is not good. How would you mean it is beautiful now? Et tu discutes ton habillement quand on te dit que non, tu n'es pas bien habillé. Tu dis, ah, c'est quoi? And what is it? I like it. Moi je l'aime. You are like it, moi j'aime. Moi j'aime ça. Hallelujah. Hallelujah. It's a sign of spiritual death. C'est un signe de mort spirituelle. Because everything about you. Parce que tout te concernant must reflect Jesus doit refléter Jésus. We are talking about Jesus Christ. Nous parlons de Jésus Christ ici. In this church, dans cette église, Jesus Christ is our reference. Jésus est notre référence. Hallelujah. Alléluia. We are not selling anything here. Nous ne vendons rien ici. We talk about the pure truth of God here. Nous parlons de la pure vérité de Dieu. It, et quand vous and you cela, apply it, et que vous appliquez cela, your life will change. Votre vie va changer. Somebody said today. Quelqu'un dit aujourd'hui, je prendrai la parole de Dieu, je vais l'appliquer à ma vie, and my life will change. Et ma vie changera. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 It is very important. C'est très important for you to know pour que vous puissiez comprendre where you belong. Où est-ce que vous appartenez. The righteousness, you know, of the law. La justice de Dieu can never of the law. La justice de la loi can never be fulfilled without Jesus Christ. Ne peut jamais être accomplie sans Jésus-Christ. Alléluia. So Jesus Christ came to fulfill the law. Alors Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. So when you live according to the Spirit, et quand tu vis en esprit selon l'esprit, you begin to love the things of the Spirit. Tu vas commencer à aimer les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Because those that you know are after the you know the carnal things. Parce que ces personnes qui sont après les choses charnelles. They will always you know go after the carnal things. Elles vont aller toujours vers les choses charnelles. And they will always take care of the carnal things. Et elles vont prendre soin des choses charnelles. And their hearts will beat after carnal things. Et les choses et leurs cœurs vont battre pour les choses charnelles. So where is your heartbeat? Alors pourquoi est-ce que ton cœur bat? Where is your heartbeat? Où est-ce que ton cœur bat? Look at your neighbor. Regarde ton voisin. Say, where is your heartbeat? Dis où est-ce que ton cœur bat. What is it beating after? Ton cœur bat après quoi? What is your heart beating after? Après quoi ton cœur bat? Because what you love is what your heart will go after. Parce que ce que tu aimes c'est ce que ton cœur va suivre. If you love Jesus Christ, si tu aimes Jésus Christ, your heart every day will be after Jesus Christ. Ton cœur sera toujours après Jésus Christ. Your heart will beat after Jesus. Ton cœur va battre pour Jésus Christ. And after the things of Jesus. Et après les choses de Jésus Christ. Hallelujah. Alléluia. So where are you? Alors où es-tu? Where are you today? Où es-tu aujourd'hui? If you are after the things of the Spirit. Si tu es après les choses de l'esprit. You will always run after the things of the Spirit. Tu vas toujours courir après les choses and de l'esprit. There will be inner peace. Et il aura une paix intérieure. That is what the Bible is talking about. Et c'est ce que la Bible entendait parler. When you run after the things of the Spirit. Quand tu cours après les choses de l'esprit. When the spiritual things becomes your focus. Quand les choses de l'esprit deviennent ton objectif, ton but. Tu auras une paix and intérieure. People will not be able to understand you. Et les gens ne pourront pas te comprendre. Even when there's trouble. Et même quand il y a des problèmes. Because you are connected with the Holy Spirit. Parce que tu es connecté avec le Saint-Esprit. You have this unshakable peace. Tu auras cette paix inébranlable. And people will be asking, what is wrong? Et les gens what vont te demander, ah mais qu'est-ce qui t'arrive? They will not understand. Ils ne pourront pas te comprendre. When you begin to live a life of the Spirit. Quand tu commences à vivre une vie de l'esprit. People will no longer understand. Les gens ne pourront pas te comprendre. The only people that will understand you. Ces personnes qui pourront te comprendre. Will be those that share the same thing with you. Seront ces personnes qui partagent les mêmes choses que hallelujah. Toi. Even in your family. Et même dans when ta you famille, begin to live spiritually, you have life spiritually. Quand tu vas commencer à vivre spirituellement, avoir une vie spirituelle. Your family will no longer understand you. Ta famille ne va plus te comprendre. Because they no longer see you
but they see someone else. Parce qu'ils ne te voient plus, mais ils voient quelqu'un d'autre en te regardant. Hallelujah. Amen. And that is where they will say, wow. Et c'est là qu'ils diront, wow. I don't understand you anymore. Je ne te comprends plus. Before you used to enjoy this. Avant tu te réjouissais de ces choses. Before you used to talk like this. Avant tu parlais comme ça. But now you don't talk like this anymore. Mais maintenant tu ne parles plus that comme is where ça. You will tell them, et c'est là que tu leur diras. I met Jesus. J'ai rencontré Jésus. Because when you meet Jesus. Parce que quand tu rencontres Jésus Christ. Truly. Réellement. Something will change. Quelque Amen. Chose change. Alléluia. Alléluia. So when we are talking about spiritual death, alors quand nous parlons de la mort spirituelle, we are talking about when you no longer love the things of the spirit. Nous parlons de quand tu n'aimes plus les choses de l'esprit. We continue. Nous continuons. Verse 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwells in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Amen. Amen. En effet, la loi de l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui condamne, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi. We are reading from 8, verse 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre propre nature, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas lui appartenir. Et si... Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps. À votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. A wise child of God. Un enfant de Dieu sage. Will always want to die in the body to live in the spirit. Va toujours vouloir mourir dans le corps et vivre dans l'esprit. Alléluia. So if you are a child of God. Alors si tu es un enfant de Dieu. And you like pleasure. Et tu aimes le plaisir. You nourish your body. Tu nourris ton corps. And you neglect your spirit. Et tu négliges ton esprit. Then you are not wise. Alors tu n'es pas sage. Alléluia. You take care of your body. Tu prends soin de ton you corps. You take care of the spiritual things. Tu prends soin des choses spirituelles. No, of the bodily things. Tu prends soin des choses du corps. You want to be rich. Tu veux you want être to riche. Be big. You want tu veux to être be grand. The best. Tu veux être le meilleur. In the flesh. Dans la chair. But spiritually, you are not doing anything. Mais spirituellement, tu ne fais rien. Then you are not wise. Alors tu n'es pas sage. Because a wise child of God. Parce que un enfant de Dieu sage. Will know. Saura. That the spiritual. Que l'esprit. Controls the physical. Contrôle le physique. Amen. Amen. If you are spiritually balanced. Si tu es équilibré spirituellement. Then physically you will be balanced. Alors physiquement tu seras équilibré. Hallelujah. Amen. If you are a winner spiritually. Si tu es gagnant spirituellement, then physically your victories will just be coming to say yes sir, yes ma to you. Alors la victoire viendra te dire ah ok chef à tes ordres. Alléluia. Alléluia. But if we are dead, mais si nous sommes morts spirituellement, then we can never be able to please God. Alors nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. A child of God, un enfant de Dieu, that is spiritually dead, qui est mort spirituellement, can never be able to please God. Ne peut jamais être agréable à Dieu.
Because it is the Spirit of God. Parce que c'est l'Esprit de Dieu that gives you qui te donne you know, all the details tous les détails on how to please God. De comment plaire à Dieu. Alléluia. Amen. But if you are spiritually dead, mais si tu es mort spirituellement and the Spirit of God is not there, et que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, can you please God? Comment est-ce que tu peux plaire à Dieu? It becomes difficult. Ça devient difficile. Alléluia. Alléluia. It becomes difficult. Cela devient difficile.